Voilà, hop. Ah d'accord, si je le quitte, la musique s'arrête. Ok. On va faire ça et on va faire vidéo full screen. Oh, trop bien! Boui 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 boui. Ah ça y est, ça commence à me secouer. Oui, je sais, c'est marqué qui c'est. Un joueur. Boudi, boudi, boui, boudi, boudi, boui. J'avais pas fait une safe state, moi, au cas où. Il me semble, hein. Non! Arrête! Comment je quitte? Avec échappe. Pas là, pas là. Pas. Pas là, pas là. Pas. Voilà! Vidéo full screen. Mais non! Oh! Je vais me battre, hein. C'est bon. Ok! Bon, je vous préviens, hein, ce soir je suis chaud. Impossible que je perde. Non mais en vrai, il y avait combien de chances pour que ça arrive? Je vais pleurer! Toi ta gueule! C'est pas drôle! Non mais en vrai, il y avait combien de chances pour que ça arrive? Vas-y, j'en ai marre. Vas-y, ça m'énerve. Ah non, mais tu rigoles, mais parce que toi, t'as pas vu ce qui s'est passé. Tu m'énerves à te moquer tout le temps de moi comme ça. Eh, vas-y, ça m'énerve. Hein. On essaie de me faire taire. Pourquoi je joue sur le retour OBS, moi? Je suis un connard. Ne répondez pas! Ah mais je crois que j'ai fait de la merde là. Ça m'énerve. Ah! Mais non! Si en plus tu te rajoutes de la difficulté... C'est pas moi! Le clip est... Putain mais... Vas-y, c'est bon, j'arrête de vous lire, vous m'énervez, je perds. C'est votre faute. Merci bébé pour le clip. Ouais mais là je vais retourner en rond du coup parce que je suis sûr qu'il fallait... Oula! Oula, le jeu il a du mal là. Tiens! Ça va mal se passer. 100% ça va mal se passer. Oh! Je me suis vu mourir. Let's go. Mario en mode bat bourré. Bonjour Griffith. Bon du coup j'imagine que là je vais tourner en rond parce qu'il fallait passer par le tuyau que j'ai pas ouvert. À tous les coups. Oh non! Bah let's go. Hein. Château de Wendy. Ah! Hey, hey! Non mais à un moment, on va se mettre d'accord. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Y a un truc qui va me taper? Non. Ah c'est sûr, y a un truc, voilà. Bon. Et surtout que t'as beaucoup de karma. Non, c'est pas vrai. En soi, j'ai un très bon karma. C'est juste que dans les jeux vidéo, j'ai pas de chance. Il m'a l'air speed, lui, là. Hé! Aïe! Non! J'ai paniqué, j'ai oublié que je pouvais sauter. Je vais mourir.
Comment on fait là? Comment on fait? Comment on fait? Non mais 100%! Ah oui, je meurs! Allez! Boudi, boudi! Boui! Boudi, boudi! Boui! Oui, bah ça arrive! Hein. Oh! Putain, si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi! Viens! Non! On reste calme. Oui, oui, oui. Peut te sauver la mise avec ces scies. Genre, je peux spin jump sur les scies? Mais je voulais pas essayer avec l'os, hein. C'est ça le pire, hein. Non, parce que du coup... Oh putain, oui, ça marche. Mais... Ya yeah. Oui, on reste calme. Mon objectif à partir de là, c'est courir. Non mais non, je peux pas, j'ai pas le rythme, j'ai pas le rythme. Si, c'est bon. Ça me trigger. Comment je vais faire là? Maintenant! Maintenant! Pourquoi j'ai pas encore eu de champignons là? Ah, voilà. Derrière. Tu me chutes pas. Allez, on va passer en mode ASMR. Boudi, 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 boudi. Tiens. Mais ça me trigger, c'est que... Voilà, ça c'est bon. Eh, hey, vas-y. Vas-y, attends, faut que j'aille rechercher des vies, là. Que j'aille rechercher des vies. Faut que j'aille rechercher des vies. Oh, c'est si loin. Glissade de bâtard. Oh, c'est si loin. Ils auraient pu faire un endroit... un niveau un peu plus simple pour choper des vies... Zboui, bouili, zboui, bouili. Bouidi, bouidi, boui, bouidi, bouidi, boui, 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 bouili. Bouidi, bouidi, boui, bouidi, bouidi, boui, bouidi, bouidi, boui. Est-ce que je vais me faire avoir ou pas? Boui, 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 boui. Boui 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 boui. Hé! Bonjour Gugu! Boui 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 boui
Voilà. On va monter jusqu'à 10. On fera une safe state devant le château. Comme ça, au moins, ce sera réglé. Ça évitera de refaire le chemin à chaque fois. Oh putain, j'ai foiré. C'est bon. Récupère des vies. Et tu récupères le secret exit du premier manoir. Eh, mais je connais pas le secret exit du premier manoir. Ou alors je l'ai vu, mais il y a très longtemps, quoi. Faut juste avoir une cape. Ouais, faut avoir une cape, hein. Je vais crever. Allez, niveau... niveau. On a 8 vies, encore 2 petites vies, et puis on peut quitter le niveau avec Select et Start. Pam 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 para pam pam para pam para lam. Qu'est-ce que t'as fait pour être embarqué par les flics? Premier niveau, après le premier château. Après, si ça nous permet d'avoir des vies plus rapidement, en vrai, je dis pas non. En vrai, je dis pas non. Parce que si ça peut m'éviter de vous faire attendre sur ce truc-là... Ah, je sais pas quoi faire, du coup. Bon, attends, on va essayer de choper la secret exit pour vous faire... pour éviter qu'on se tape à chaque fois le chemin pour avoir plein de vie. Ah, raté. Bah voilà. De toute façon, Yoshi sert à rien. Voilà. Et comme je sais que je suis quelqu'un de pas très malin, hop, comme ça j'en ai deux. Et du coup, le secret exit, c'est quel niveau? C'est quel niveau? Si c'est celui-là, je sais comment y aller. Premier manoir. Donc ça, manoir fantôme, celui-là. Ah, c'est dégueulasse, ça. Mais... Vous me cassez les couilles. Oh, vas-y, vous faites chier. Vous voulez faire la gauche. Mais il est con, ce connard. Non, mais là, c'est trop, là, hein. Là. Même en essayant d'être malin et en essayant de pré-shot Bon, attends, du coup, il faut voler vers la gauche. Oh putain, bien vu! Faut que je tape un bloc en particulier? Oh! 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 Bouddi bouddi bouddis, bouddi bouddi boui. Boui. Ouin ouin. Et donc là, ici, sauvegarde. Zone top secrète. On va avoir des vies.
Mais y a pas de vie là-dedans. Ah bah oui, bien vu. Bien vu, bien vu. Bien vu, bien vu. Bon, du coup, on sait que maintenant, on pourra en récupérer là si besoin. Est-ce que la plume serait pas vachement pratique pour le château où on est bloqué, justement, tiens. Allez, hop. Hop. On va s'arrêter là, 16 vies, c'est bien. Je vais faire une save state. Et puis, normalement, c'est bon. En plus, tu peux récupérer des power-up ici. Bah ouais, justement. Donc, ça peut être bien. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Bouilly, 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 bouilly. Bouilly, 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 bouilly. J'aurais peut-être dû faire la save state, j'ai pas pensé. J'ai pas eu peur. La plume de ses morts. Non mais là c'est trop là frère. Abuse. Ah oui, ça, il faut que je fasse l'autre jump. Allez. Voilà, on sauvegarde ici. Oui, c'est Alt plus entrée. Voilà. Allez. J'annonce, c'est un speedrun. Mais non. Mais non. Attends, attends, de quoi ? Attendez, parce que là, moi, ça m'intéresse. Attends, ce que j'ai fait, j'allais à la station de service avec Gisèle, mon épave roulante, qui va partir à la casse en mai, contrôle technique. Mais comme Gisèle est capricieuse, l'aiguille de foule déconne. Je me suis retrouvé en panne sèche en pleine ville de Dieppe. Une voiture de flics nationaux arrive et le conducteur, un jeune, sort pour m'aider à garer ma voiture sur le trottoir, sur ce qui n'est pas une place réglementaire. Puis il m'embarque dans la voiture pour m'emmener à la station service avec mon bidon d'essence. Je découvre que sa coéquipière est capitaine d'ailleurs, que j'ai pas ma carte bancaire sur moi. Ils sont assez généreux pour m'emmener dans la station précise où je voulais aller. J'ai repris mon bidon et j'ai ramené ma voiture. Ah oui, mais non, t'as pas. C'est juste que t'es tombé sur des flics vachement sympathiques quoi. Bon, attends, faut que je me concentre un peu là, je fais de la merde. Je fais de la merde là. Là pour le coup, je troll là. Allez. Non mais là c'est trop là. Ce début de château des enfers. Qui est sympathique c'est... Non. Tout de suite. J'annonce c'est un speedrun. Après j'ai pas dit la catégorie du speedrun hein. Non mais là c'est n'importe quoi. Un coup ça marche pas.
Mais là, c'est abusé. Double frame. Bah ouais, mais c'est abusé quand même. J'en ai marre! Première sim, pas sur la deuxième. Bah ouais, mais c'est de la merde! Oh, attendez, j'essaie de me concentrer là. Et que j'arrête de troller là. Non mais, c'est abusé! Je vous enlève sur vous avant que je rentre en voiture et vous payez vos infos quand j'arrête le dérangement que je vous propose de continuer à habiller. Bah, c'est dans les secret level, tout ce qui est dalle, etc. Mais en vrai, j'ai pas envie de me faire chier à les faire. Le but, c'est juste de finir le jeu, quoi. J'ai pas spécialement l'objectif de le finir à 100%. Oh, ça va si c'est la première fois. Hein. Faut que j'arrête de lire le chat. Bon allez, j'annonce c'est sur celle-là. Cette vitesse! C'était sûr. C'était certain même. Mais du coup, je récupère pas le champignal. Voilà, comme ça, j'en ai au moins un d'avance. J'ai fait de la merde, là. J'ai totalement fait... Ok, c'est bon. Je vais deviendre fou, en fait. C'est abusé. Abusé. Toujours plus. Yeah.
Allez, j'annonçais sur celle-là. Commencez pas à me secouer. Bah non, pas maintenant. Là, frère, t'abuses. Vas-y, c'est bon, j'arrête. Va mettre le câble comme ça, voilà. Allez. Je tenterais bien de spin. Spin ta mère! Je vais le frapper, hein. Allez. Oh putain, je pouvais y aller. Vas-y, c'est sur celle-là, j'annonce. Ça se finit maintenant. Merci. Je vais deviendre fou. Oui, oh ça c'est beau. Ça merci. C'est beau. Ah voilà, merci. Qu'est-ce qu'il fait là? D'accord. Change du signe pour Wendy ou Koopa. Dans le château 6, Mario doit maintenant explorer la sinistre épave qui, semblerait-il, est un passage vers la vallée de Bowser. Plus qu'un monde. C'est un monde de trop, si tu veux mon avis. Est-ce que je vais chercher des vies ou pas? Non. En vrai, on y va en légende. Et ça se passe bien. Ça va se passer très mal. Mais c'est un niveau de fantôme de ses morts. Non, Yoshi. C'est mon assurance vie, là. Et tu pues la merde, Yoshi. Et l'autre, t'as Smart derrière, là. Je vais la frapper au ciel, là.
vais me chercher quelques vies d'avance. Ils auraient dû faire un système pour se téléporter, là. Hein, qu'est-ce que j'ai fait? On appelle ça le Star World. Ouais, bah... pas envie. Les fantômes de noyer. Ah, peut-être. Un peu glauque, mais pourquoi pas. Oui, 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 oui. Boudi, boudi, oui. Boudi, boudi, oui. Boudi, boudi, oui. En vrai, je me dis dans un truc sous l'eau, c'est pas ce que je voulais. Je vais prendre des fleurs de feu. Ça doit être bien. Mais non! Ah, tu peux pas faire start et select sur ce niveau? Il m'emmerde, hein. En vrai, il m'emmerde, là. On est obligé de sortir par le côté. D'accord. Bon, au moins, on a un niveau où on peut récupérer rapidement des vies, quoi. C'est toujours ça de prix. Allez, petite dernière. Petite dernière, et puis on va aller choper. Ce niveau de ses morts. Bon, moi, je le dis, c'est cette... J'y vais, je fais la safe state, et je vais râler parce qu'elle aura servi à rien. Je vais la passer du premier coup. C'est sûr, c'est certain. Ça, vous voyez, les enfants, c'est une technique d'auto-persuasion, ça. Woody, Woody. Oui. Ils sont un peu flippants, les arbres, hein, dans cette forêt. Hein. Ils ont tous un sourire chelou. Ou une moustache. Allez! On safe-tate ça, là. Attends, déjà fait ça, s'il te plaît, voilà. Ok. Les arbres de Big Mom. Hop, j'annonce! C'est celui-là, regardez. Non plus communément appelé le déni de réalité. Mais non. C'est vous le déni de réalité d'abord. Ah! Ok, donc déjà j'étais sur le bon chemin tout à l'heure. C'est parce que j'étais pas en full screen. Ça a perturbé mes repères. Non mais celle-là, elle comptait pas. Celle-là, elle comptait pas. C'est là. Là, à partir de maintenant, ça compte. Passer de 10 à 8. Non. Non.
Mais oui, mais ils changent de place, les putains de fantômes. Oh putain, j'ai des flashbacks des tortues ninja sur NES. Ils reviennent plus là ? Oh, c'est trop bien. Il y a une partie de moi qui a envie de croire qu'en bas à droite, il y a un secret. Et en même temps, je me dis que c'est pas une bonne idée de me faire confiance. Ok. Oh ! La jaune, parce que si elle touche le sol, je suis mort. J'ai envie de te remercier, bébé, mais... En même temps... Allez. Non mais c'est abusé, c'est abusé. Allez, normalement vous revenez plus là. Non, vous revenez. Là vous revenez plus. Si t'avais pas récupéré les pièces, ça passait. Sérieux ? Mais moi j'aime l'argent. Donc comment on fait ? Tiens, bouffe-toi la tête contre le mur là. T'as eu le reste de l'étoile en bas. Ok. Je suis mort. J'annonce, c'est la mort. C'était sûr. C'était tellement sûr. Non mais on va y rêver. Hein. Eh oh, c'est bon. Hein. J'ai pas abandonné face à la dépression. Je vais peut-être m'y remettre. Ah, c'est loose. Hein. C'est loose. En vrai. Jamais ça passe là. Pour lequel va me tuer? Faites les paris. Faites vos jeux. Thank you.
Mais en fait, il faut que j'abandonne et que je déprime pour gagner. C'était ça, en fait, le secret. Bon, bah, au final, chers amis, si vous voulez gagner à Mario, laissez gagner la dépression. Hein. Laissez la dépression vous gagner. Hein. Allez. Oh, trop bien! Ah non, mais tu peux noter ça, Zizouk. Si tu veux gagner à Mario, laisse la dépression gagner. Voilà. Ah mais non, lui, il va se mettre dans un trou, là. Ok. Je vous suis, monsieur. Non, non. Je dois vraiment vous suivre. C'est bon. Il y a une partie de moi qui... Il m'a acheté sur la grosse taupe. Il m'a acheté sur la grosse taupe. Vas-y, on passe par en bas. Non ! J'aurais pas dû passer par en bas. Ah ! Alors peut-être... Non mais là c'est trop là, frère. Fais un effort. Tu voulais dire quoi ? Rien. Rien. Jeu de ses morts. Allez, on suit les grosses taupes. On passe par le haut peut-être. On passe par le haut. Bien le haut. Ça fait tout 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 que j'ai peur. En bas, en bas, en bas. Ça marche pas! Je voulais essayer. Oh mais non mais... Je m'en fous, j'ai eu 3 vies. J'ai eu 3 vies, ça me suffit. Je suis un homme heureux. Ou pas. Pas le droit, Billy. Fais pas le con. Il va revenir. Et en plus, je fais ça, mais y a rien. Vas-y, chaud. Je me tape la tête et je meurs. Non. Technique de fils de pute, un peu, de faire ça. Pourquoi j'y suis arrivé et pas là ? Voilà. Allez. Veuillez mourir, tous. C'est pas par là. C'est en bas. C'est en bas. Ils sont tous là. Tiens, vas-y la grosse taupe, protège-moi. Je vais mourir, je vais mourir.
Vite. C'est bon. Bon, je vais rien dire. Plein de vie. Tout ? Vraiment ? Je de merde un peu là, hein, quand même. Ça fait 3 lignes, donc 3 vies. Bah c'est de la merde. Ça méritait plus. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est vrai que le spin, je l'utilise jamais. Hein. C'est pas grave. Eh vas-y, ta grande mère à toi, là. Après avoir récupéré CP sur ce niveau. Ouais, peut-être pas, hein. Alors, c'est peut-être la meilleure solution, hein. Mais moi, j'ai envie de dire fuck, hein. On y croit, hein. Allez. Là-dessus, un petit thé à la menthe. Problème réglé. Oh, t'es un amour. J'étais touché par quoi là ? Non, ça va pas dans ma tête. T'as abusé. Je le dis, c'est abusé. Hey. Allez. Allez, petite tisane après. Je pense que ça va nous faire du bien. Oui, reste bloqué dans ton truc de c'est mort là. Non, mais là c'est trop là. Allez. À moi. Je le sais en plus, hein. Je vois que ça arrive, ça va arriver, mais non, j'y vais quand même. Et je suis bien, je suis stupide. Disons-le, disons les termes. Mais non, mais je m'en suis souvenu qu'après. Enfin, oui, oui. Oui, vite fait, quoi.
Franchement, j'en reviens pas, j'ai réussi à résister à mon amour de l'argent. Quelque chose me dit que là, c'est une mauvaise idée d'y aller. Vaut mieux y aller à la redescente. Voilà. Non, je vais mourir là, je vais mourir. Oui, là je vais mourir, là je vais mourir. Non mais si tu fais les vannes de place. Oui, bah écoute. Je suis stressé. Je gère mon stress par l'humour. Enfin, j'essaye. Putain, mais oui, mais il n'y a aucun chemin qui est potable dans ce jeu de merde. Comment je fais, là? En premier degré, comment je fais? Faut que je sprint... T'es grand mort jusque... Bah non. Déjà, j'ai vu que c'était pas en haut. Voilà, j'ai pris un peu d'avance. C'est bon là, hein. Je vais pas finir écrasé là, hein. Ah, c'est bon. C'est bon. Alors sachez que si c'est stressant pour vous devant votre télé ou votre écran, ça l'est beaucoup plus pour moi. Voilà, je tenais à le dire. Pourquoi il tombe net lui là? Ok. Ah, c'est pas que je suis pas courageux, hein, mais... Là, il va me manquer des vies, hein. J'ai pas perdu qu'une vie, hein. J'ai perdu plus que ça, non? Il me semblait que j'en avais perdu plus que ça. Boui, 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 boui. Bon, puis après, on fera la roue. Et on essaiera de trouver une console sur laquelle faire un autre let's play. J'aimerais bien tomber sur la PS1. J'aimerais bien qu'on fasse Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction, là. Sur la deuxième section du niveau, t'as perdu qu'une vie. Comme quoi... Je suis peut-être moins mauvais que ce que je pensais. Fini déjà le jeu, on en reparle après. Oh attends, il me reste une heure de stream. C'est bon, je vais le finir le jeu. Hein. Non, en vrai, si on tombe sur la 64... Ah oui, mais non, mais c'est le mercredi, donc ça marcherait pas. Faudrait plutôt que je fasse ça un samedi soir, quand Dame Koala est là. Ce que j'aimerais trop, c'est qu'on fasse une soirée comme on avait fait une fois avec Minecraft. Je sais pas si vous vous souvenez. Où vous voyez... vous aviez plutôt la Panda, la Koala Vision. Mais sur Ocarina of Time. J'aimerais trop voir Dame Koala découvrir Ocarina of Time. Je sais pas pourquoi. Sachant qu'elle joue très peu aux jeux vidéo et qu'elle... elle y a jamais joué à cette époque-là. J'aimerais trop la voir découvrir ce jeu. Ocarina of Time. Du coup, je pense qu'un samedi soir, on le fera, ça. En plus, l'arbre mojo... Non, bah non, je vais rien dire. Je vais rien dire parce que sinon, ça va la spoil. Ah oui. Là, elle est en vacances, donc exceptionnellement. La Hands Vision. Oui, vous aurez la vision sur ses mains qui touchent la manette. Je pensais que tu voulais faire une session en multi-world. Ah non, 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 non.
Non. Pour le coup, New Super Mario Bros. Oui, nous a servi de leçon. Avec, il nous faut un jeu où il y a une bulle. Il nous faut un jeu où il y a une bulle, parce que sinon c'est pas possible. Sinon c'est pas possible. Vous allez me retrouver dans la catégorie faits divers sur Twitter. J'aurais tué quelqu'un. Je dirais pas qui. Et ça commence par dame et ça finit par quoi là? Hop. Des bulles avec OOT, tu vas en avoir. Non mais t'inquiète. T'inquiète. C'est ça que je parle avec le multi-world. Pourquoi j'ai pris ça? Je suis vraiment un turbo débile. C'est comme un débile, mais qui fait... Je vais mourir. Non, c'est bon. Parlons de Twitter, si ça t'intéresse, quelqu'un, j'ai un code Blue Sky. C'est quoi ça, Blue Sky? C'est pas un réseau social, ça? D'accord. Même jeu qui, à la base, n'est pas fait pour être en multi. Ah! Bah, non, du coup. Non, parce que le... Le jeu en multi que j'aimerais bien qu'on fasse ensemble, c'est un jeu style Lethal Company. Tu veux Twitter fait par l'ancien propriétaire de Twitter. Ah ouais? Bah moi je veux bien. Je veux bien ça. Blue Sky là, ça a l'air bien. Je veux bien ça. 3, Zelda 64, les Metroid, etc. Merci bébé. Oh la chatte. Oh l'énorme chatte. Et là en fait niveau secret. Je me demande ce que tu fais Dame Koala hein, parce que là j'ai eu un peu beaucoup trop de chance. L'échelon de toxicité crée un autre réseau social en disant que c'est plus safe. En vrai pourquoi pas hein, avec une meilleure modération compliqué en soi hein. Ça veut dire quoi le 1 là? Ah ça veut peut-être dire le temps qu'elle est effectif. Ah oui c'est ça. Putain c'est bien pensé ça. Je m'en rappelais pas de ce système là. Oh vas-y nique ta mère. Boing. Un. Oui non c'est bon de toute façon le je suis con le décompte il se fait tout seul. Je m'en doutais, je suis un putain d'abruti. J'ai essayé. Parce que soi-disant ça coûte trop cher qu'elle est aux fraises de partout. Oh, faut arrêter. Hein. Faut arrêter avec cette excuse, hein. Vraiment. J'ai peur. Je panique. Ah mais non, tu vois pas ce que je fais.
Ça reste entre nous, mais j'ai pas crié parce que j'ai expulsé ma haine par ailleurs. Oh, crois-moi. Normalement, t'as le fond vert qui te protège. Bon, je battrai pas le chien. Le putain gros, quand il s'y met... Et moment est motivé, pépère. Hein. J'adore ce niveau. En fait, j'adore ce jeu. Mourir juste avant l'arrivée, comme ça, je vais être franc avec vous. Ça fait mal. Dommage que le jeu t'aime pas. Non, mais en vrai, j'aime beaucoup ce jeu. Parce que déjà, il y a une petite difficulté, il te résiste. C'est pas un jeu où tu vas le finir assez facilement. C'est agréable, en vrai. Bon, forcément, je m'énerve un peu, parce que voilà. C'est comme ça. Te rend bien sérieux. Oui, mais... Non mais c'est vrai, le jeu est bon. C'est vrai que je m'énerve un petit peu de temps en temps. Mais le jeu est super bon. Il y a plein de superbes idées dans ce jeu. Il y a plein de superbes idées. Merci VB pour le clip. Faut, par contre, vraiment, il faut que j'arrive à trouver... Déjà, il faut que j'arrête de lire le chat et parler en même temps que je joue. Mais en même temps, c'est un stream. Mais il faudrait que je trouve le temps d'utiliser les clips que vous faites pour en faire des TikTok ou même des best-of sur YouTube. Hein. C'est juste que j'ai la flemme. Non mais ce monstre, il a abusé. Voilà, je le dis, je déteste ce monstre. Mob des enfers, ça. Et si je reviens en arrière, il continue à... D'accord, bon, bah y'a rien. Le foot US, c'est plutôt répandu au Japon. Hein. Les sports américains, ils sont assez répandus au Japon. Hein. Le baseball, par exemple. Non mais je vais péter un câble. Hein. Sans toucher gauche et droite peut aider à survivre dans certaines zones, notamment en cas de chute, caillou. Comment ça? Ouais, bon, ok. Ah non, mais c'est vrai que sur le. Au Japon, les sports américains, bizarrement, sont très répandus. Pas un pays qui t'a bombardé la gueule comme, comme les Américains ont fait, bon. Moi, je me dirais, va peut-être éviter de trop... trop répandre la culture américaine sur notre sol. Mais eux, ils se sont dit, why not? Allez. Allez. Pourquoi pas? D'accord. Non mais là j'ai trollé. Là j'avoue j'ai trollé. Je pense avoir appuyé puis j'ai pas appuyé. Voilà, je le dis. Japonais, c'est plus raciste des Chinois et Coréens.
J'entends souvent dire ça. Comme quoi le Japon est très nationaliste. Mais je suis tombé sur un stream de Ken Bogard où justement il expliquait que c'est totalement faux. C'est une idée très très courante, mais une idée reçue, quoi. Bonjour Bironf ou Byronf. J'espère que je l'ai bien prononcé, Bironf. Bonjour à toi, cher ami. Avec les Chinois, je suis pas sûr, ils sont bien pires. J'en ai aucune idée. Je m'intéresse. C'est pas des sujets qui m'intéressent de base. Mais je sais que c'est un truc que j'ai souvent entendu. Non. C'est possible ça? Bayronf. D'accord, bah ça sera Bayronf. Oh, c'est quoi? Voilà. Va crever Yoshi, tu m'énerves. Non, mais là, faut que j'arrête de lire le chat. Voilà. Je dirais pas que je suis énervé. Je dirais que je suis légèrement désappointé. C'était sûr. Tournez ta cape pour buter certains obstacles. Il échappe loin. Putain, il me reste plus que 2 vies. Au secours. Non, je peux pas. Ah, voilà. Yes. Après, le sacrifice de Yoshi, c'est une base hein, dans le jeu. Hein. Si t'es pas prêt à sacrifier ton Yoshi, tu ne finis pas le jeu. Hein. C'est pas grave du coup. On peut prendre le dégât. On saute. Vas-y, saut de l'ange. Oh, j'y crois pas. Let's go. Je ne dirais pas que je suis énervé. Je dirais que je ne suis pas calme. Ah. Ça se recycle les Yoshi. Oui. D'ailleurs, je suis tombé sur une animation très cool. Justement sur le lore de pourquoi il y a des il y a autant de Yoshi. C'était faudrait que je retrouve la vidéo. C'était ultra cool. C'était ultra cool. Je vais essayer d'aller me choper quelques vies parce que là j'avoue que 3 vies bon. C'est une base dans les Kaizo, surtout le sacrifice de Yoshi. Ah mais j'ai vu ça. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé le niveau que t'as envoyé sur Discord. Et que il y avait plein de refs à plein de jeux. Vraiment c'était très cool. C'était très cool. Boudi boudi. Oui, Boudi, Boudi, Boui. Oh. Eh. Excusez-moi, il m'a échappé des mains. Oui, Boui, 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 Boui. Il y a plein de gimmicks différents, on a son niveau. D'ailleurs, je suis assez étonné, ça a été fait sur... vraiment à partir du code d'un Mario, ou c'est complètement autre chose? Parce qu'il y a des mécaniques de gameplay dans certains niveaux... Tu te dis non mais le mec il s'est arraché les cheveux pour faire ça. C'est pas fait, c'est fait avec un... Comment ça s'appelle? Rajouter du code dans le jeu, ouais c'est ça. Mais du coup c'est pas comme une ROM. Si tu le mets sur une vraie console, il tourne pas quoi. T'es d'accord? Comme d'hab, hein. On se met une dizaine de vies et puis petite save state au cas où. Comme ça, si on perd toutes nos vies, on revient là où on en était. Boui, boui, boui. Boui, 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 boui. Code rajouté, ça peut passer sur une vraie console. Ah ouais? Oh, ça, c'est intéressant en vrai. Un jeu aussi que j'aimerais bien faire en stream, c'est Super Bomberman sur Super NES aussi. Le 1, peut-être plus le 2. Le mode aventure du 2, il est plus fun, je trouve.
Il est plus fun que le 1. Parce que le... Non, je crois que c'est le 1 ouais, que j'avais déjà fait en stream. Non, le 2 aussi. Il me semble que le 2 aussi. Il me semble que je l'ai déjà fait en stream. Maintenant que j'y pense. En même temps, ça fait... 7, 8 ans que je stream maintenant. Donc ouais, bon... ça m'étonnerait que je l'ai jamais fait, quoi. Oui. La musique, il te rentre absolument pas dans la tête, quoi. Oui. Allez, save state, histoire d'être sûr de si on perd, je vous épargne de devoir refaire tout le chemin. Parce qu'en soi, moi, ça me dérange pas, mais bon, c'est pas le truc le plus fun à regarder, quoi. Ah, mon bloc préféré. Eh vas-y. C'est quoi ce niveau des enfers là? Non mais en vrai... Me dites pas que j'ai fait une connerie là hein. Oh tais-toi toi. T'es censé me soutenir. Non, tu ne me soutiens pas, tu te fous de ma gueule. J'ai failli lire le chat. Oui, non, mais je sais que quand c'est des... Ah, vas-y, va crever. Pas toi, hein, rassure-toi. Quand c'est des niveaux comme ça, je le sais, il faut pas que je lise le chat. C'est bon. Modif du code, il y en a qui se rajoutent un double saut. T'as une technique plus communément appelée le motor skill. T'as des blocs qui s'activent avec des boules de feu de Mario, etc. Non, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il faisait là en même temps, lui là? Non, mais en vrai, qu'est-ce qu'il faisait là? Ah mais je vais mourir 10 000 fois sur ce niveau. C'est sûr. En plus je suis en train d'avoir super mal au pouce. J'ai le pouce qui me fait mal. Pour éviter des galères, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais l'essayer tranquille, normal. Et si vraiment je vois que... Tue le snake block jusqu'au bout. Non! Ok, jusque là ça passe. Bonne nuit Baka. Je lis le chat hein. C'est plus fort que moi hein. Ah c'était sûr, j'ai fait de la merde là. J'ai cafouillé dans mes contrôles. Attends, quand tu disais le suivre jusqu'en bas, jusqu'au bout, j'imagine que...
D'accord. Merci du tips. Mais non, mais ça, c'est bien, au moins ça évite de refaire le chemin mille fois. Bon, on reste en stream et j'aime pas que ce soit trop chiant. J'aime pas que ce soit chiant pour vous. Je vais crever mille fois là. Oh mais d'accord Est-ce qu'il y a un jour où ça va bien se passer pour moi dans ce... Je te connais, toi! Les flammes, c'était pas obligé. Les flammes, c'était peut-être pas obligé, quoi. Bouit, 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 bouit! Bah oui, mais c'est sûr. Bon, là, j'avoue, j'ai un peu grid. Là, j'avoue, j'ai grid. Par contre, faut que j'arrête de prendre mon shaker avec du lait. Hein. C'est un enfer. Hein. Restez calme. Ne pas s'énerver. Pourquoi être tiré pour esquiver? Ben non. Non, ça prend tout le... Non, mais là, t'abuses. Là, en vrai, t'abuses. Ça passe normalement. Bah, tu sais quoi, on va essayer. Et si ça ne passe pas, tu prends un Théo de 60 secondes. Vas-y, on le laisse tirer. Ah, vas-y, niquez vos mères. J'en ai marre. À quel moment ça passe? Ce genre d'arnaque. Vas-y, c'était pour passer. Comment je fais maintenant? Ah voilà. Bah bien, hein, bravo. Oh mais fais un effort là. Oui, mais d'accord, mais ça va me sauter dessus maintenant. J'ai peur. Allez, j'annonce, c'est sur celle-là. Hein, me met en condition. Voilà, déjà là on sera mieux là. Ok. C'est abusé, c'est tellement abusé. D'accord.
Ok. Oh, ça me prend la tête. Je déteste ce boss. Voilà. Je le dis, je le déteste. Mais il est vénère, hein. Vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. Je reste frais. Tu peux le faire tomber dans la lave. Mais je sais. C'est juste que j'y arrive jamais. Non, mais là, frère, t'abuses. Il me rend fou, hein. Oh mais c'est tellement abusé. Il y avait combien de chances pour que ça arrive? Mais non, mais là, là je cherche la merde là. Là pour le coup je cherche la merde. De toute façon, c'était soit je le prenais, soit je... Et c'est le premier game over. C'est le premier game over qu'on fait depuis qu'on a commencé le let's play. Qu'à l'attendre. Ok, jusque là ça se passe bien. Déjà, j'ai évité le dégât que je prenais bêtement sur celui du dessus. J'ai failli en reprendre un. Ok. Et puis bah là, on peut se laisser tomber. Hein. Ok. Allez. C'est abusé sa mère. Il tire vraiment au moment où tu sautes quoi. Ah mais là je suis baisé, c'est pareil. Mais je veux bien, mais que ce connard il fasse ce qu'il a à faire.
Pourquoi j'ai sauté? Pourquoi j'ai sauté? Je suis vraiment un putain de teubé. J'en ai marre. Bonjour Gérard. Et bonne année, oui. Bonne année. Ah, c'est vrai qu'on peut se souhaiter la bonne année jusqu'en février. Hein. Vous sentez que je lui en veux? À Kamek. Enfin, je dis que c'est Kamek, mais ça se trouve, c'est même pas ça. Merde. Ah, mais là, je suis bloqué, là. Non, mais là... Ah, ouais, bien. Non, mais... C'est trop... Vas-y, sois normal, toi, là. Ah, vas-y, c'est bon. C'est bon, j'arrête. J'arrête d'essayer d'être fair-play. Je joue plus avec toi. Voilà, va crever. Normalement, je suis tranquille un moment. Allez! J'ai très envie de hurler, en fait. C'est juste que j'ai un minimum de respect pour moi-même. Pour ne pas me mettre à hurler à cause d'un jeu vidéo. Mais croyez-moi, l'envie y est. Hein. C'est suivant... C'est suivant l'angle... C'est suivant l'angle sur lequel je tape la carapace normalement. De mémoire. Putain, j'ai lu le chat. Nope. C'est fort, ça. Sur Wii, ouais, il y avait la version sur Wii, ouais. Celle depuis un moment. Je fais preuve d'un self-control assez important. Disons que j'ai connu pire dans la vie que ce jeu vidéo, donc je vais pas me mettre à m'énerver. Il y en a là pour passer un bon moment. Il y en a là pour passer un bon moment, bon... Du coup, je vais pas m'énerver. Allez, sois sympa. Voilà. Bon bah je l'ai pas eu. Vous vous rendez compte que les derniers niveaux, on aura mis un stream complet alors qu'on a fait quoi, 5, 6 mondes en un stream la première fois? C'est une dinguerie quand même. Pour l'instant, le seul qui passe un bon moment, c'est le jeu. Ah, totalement faux, hein. Tiens. Pas se le cacher, c'est pas totalement faux, mais... Va le faire, hein.
Allez. Il suffit juste que j'attende qu'elle... Voilà. Ok. C'est bon. We have won. We have won. Merci pour les GG. Sachez que tous ceux qui sont là, là, qui sont là, qui me soutiennent pendant cette épreuve douloureuse qui est de finir Super Mario World, bah vous avez une place spéciale dans mon cocolo. Mario a terrassé Larry Koopa dans le château numéro 7. Il ne reste plus que le palais de Bowser où la princesse Peach est captive. Mario pourra-t-il la sauver et ramener la paix sur Dino Land ? Du coup, c'est pas le royaume champignon. Déjà, on a sauvegardé, on n'a pas besoin de faire de save state du coup. Très simple ce boss, une fois que t'as compris pourquoi il part à gauche ou à droite. Bah ouais. Une. Pourquoi il y a des numéros ? Ça sent en cul cette histoire, non ? Oula, oula, oula. Ah, quelque chose me dit que j'aurais dû avoir les blocs. Bonne soirée, Gérard. Mais ça fait quoi de choisir une salle? Tiens, crève. 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 Oh mais non, ça va pas être ce... Allez, la 8. Ça change la difficulté? Allez, 8. Ouais, bah salut, hein. C'est ici que ça s'arrête pour moi, hein. C'était sûr. C'était sûr. Bon, déjà, la 2. La 2, elle est à ma portée. Elle est simple. On peut faire 2. Peut-être ces timings. Bah ouais, bah écoute, que veux-tu? Je dois pas faire toutes les portes. Je connais ça. Oh, le niveau de l'enfer. Expliquez-moi qu'est-ce qui me fait comprendre que lui va me faire des dégâts. Super Mario Bros. 3 représente. Ah non, mais là j'en peux plus, moi. Voilà, crevez tous. Ok. En vrai, le 7 est pas compliqué. C'est juste que je me suis fait avoir par cette merde là. Le spin jump est souvent ton ami. Ouais, mais j'y pense pas assez, hein. Non mais là, frère, attends, je spin jump dessus, il me ressaute dessus aussitôt. Et t'énerve pas sur ton jeu de cheval, ce toi-là. Hein. J'ai trouvé un jeu de... sur la base de l'équitation pour Dame Koala. Elle ne fait que geeker sur son jeu depuis. Si. Oui, mais ça, Genshin, ils le savent. Ils le savent que t'es mordu de Genshin Impact. Thank you.
RDR2 avec tout... Non. C'est quoi le nom? Ah, je... C'est Tales of quelque chose. Tu dois gérer un hara. Non mais là, c'est trop... Eh, je vais péter un câble. Non, pas Tales of Arise. Ou c'est quelque chose de journée, ou... quelque chose Tales. C'est un jeu vraiment où t'as un hara, etc. Du coup, je pense que je vais y trouver des jeux style Alexandra Lederman. Et elle sera sans doute très heureuse. Pas grand chose apparemment. Tant mieux. Je suis bloqué sur le 7. Hein. Léa Passion Panet. En vrai, je suis sûr que ouais, sur un petit émulateur DS là, il y a moyen de lui trouver plein de dingueries. Horse Tales. Faut que j'arrête de discuter en fait. Hein. Je vais peut-être essayer de me concentrer parce que là, je fais de la merde. Il me reste plus qu'une vie. Mais bon, commande sauvegarder, je m'en fous. Là, je sais que c'est le dernier niveau. Ça va le faire. On va y arriver. Oui, je me moque. Elle arrive à s'énerver sur un jeu de cheval. Ah oui, non, mais j'ai plus besoin de save state, là. Pour ça, je vais pas m'emmerder. Pourquoi je la vois en plus? Je sais que c'est ce qui va se passer. Je le sais pertinemment. Ah oui, continue. Hein. Continue. On va pas se laisser abattre comme ça. Hein. Après, je sais pas combien de salles il y a, mais j'imagine un paquet. Donc le 2, la 7, la 7, je suis sûr qu'elle est faisable. Hein. Non, mais là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Pas vraiment qu'elle vaincrait quand même. Oui, bon. Après, peut-être que je m'obstine. Mais une fois que j'aurai vaincu, la satisfaction n'en sera que plus grande. Comprenez-vous, chers amis. Après, j'ai pas essayé la 6. Du coup, j'ai pris la 2, ça m'a téléporté à la... Je sais pas combien il y a de ça, là. Hein, de... Mais... La Dark Soulisation des jeux. Non, la Dark Soulisation des jeux, c'est le mardi. Avec l'Eye of Pi, normalement. Sauf que là, j'ai pas pu. D'ailleurs, il faudra que j'essaie en off de XP un peu. Sur l'Eye of Pi. Pas de beaucoup, mais un petit peu, histoire de passer le boss sur lequel on était un peu plus facilement. Le jeu est trop beau d'ailleurs, l'Eye of Pi. Vraiment, je le trouve super beau. Je le trouve super beau. Après, il y a d'autres jeux qui me font envie, mais c'est des jeux que je peux pas faire en stream. Parce que d'après moi, c'est pas un jeu qui est très fun à faire en stream. Mais j'en peux plus, là. Non, c'est mensonge. Les mensonges de Pinocchio. Lie of Pi. Mais j'aimerais bien me faire Baldur's Gate 3. Mais ça, je sais qu'en live, c'est pas... Peut-être pas forcément très fun. Hein.
Oh, je me laisserais bien tenter par la salle numéro 6. Hein. Avec ta chance, un jeu de RNG, mais justement. Je suis sûr que ce serait si drôle. Et en même temps, peut-être un peu trop mou. Non mais... C'est... T'as abusé. Mais aussi, voilà, c'est pour ça que je, je me tâte à le faire en live, c'est qu'il est extrêmement long. Il est extrêmement long. Il y a Judgment aussi que j'aimerais bien faire, qui se passe dans la même ville que Yakuza. Mais c'est un jeu avec un détective. Vas-y, je réessaye la 7, je persiste. Je vais y arriver. Non mais... De mon sang, de mes larmes, de ma transpiration, tout ce que tu veux. Tout fluide corporel. Enfin, dans la limite du raisonnable Twitch. Hein. Il y a des choses qu'on peut pas montrer. Hein. Du sel et du seum. Oh, ça ferait un super nom d'émission. Pour jouer à des jeux ultra rageants. Ah non, par contre, un jeu qui pourrait être sympa à faire aussi en stream... Donc Judgment, comme je vous disais, qui peut être très sympa. Mais il y a aussi Valkyria Chronicle, qui est trop bien. Ah bah, je me suis laissé aller à prendre le niveau 6, apparemment. À quel moment ? Mais du coup, Valkyria Chronicle, qui est trop bien. Qui est un genre de... De jeu de tactique. Mais en même temps... Mais en même temps, c'est du pseudo FPS. Même pas vraiment. C'est un peu compliqué à expliquer. C'est un jeu en tour par tour. Où tu gères des unités. Et tu peux viser. C'est toi qui vises, en fait. Et tu les déplaces un peu comme un TPS. C'est très agréable. Bon, mais faites un effort là, le jeu. Non, non. Déjà, dans le niveau 6, on a un champignon. Chose qu'on n'a pas dans le niveau 7. Donc, est-ce que le niveau 6 serait pas mieux que le niveau 7 ? Déjà de base. Fire Emblem en 3D avec des tanks. Oui, ça peut être résumé comme ça. Je me suis pris le 4 sur Switch parce qu'il était en promo. Et du coup, je me suis dit, mais attends, le 1 du coup. Et du coup, j'ai trouvé le 1 sur Steam à 5 balles. Et j'ai trouvé un patch en français. Mais non, mais... Abusé. En vrai, je vais pleurer. Hein. Oh, il y a une boule disco là-haut, là. Eh, il me dit quelque chose, le petit ninja, là. Je pensais qu'il allait sauter. Il me dit quelque chose, le petit ninja. Attendez. Du coup... Ça va jusque combien, là? Jusque 4? Donc attends, est-ce que t'es en train de me dire... Que je choisis juste la difficulté? Donc depuis le début, j'aurais simplement pu prendre le 1 et le 5. Et j'aurais eu des trucs plus faciles. C'est ça que t'es en train de me dire? Mais non. Mais non.
Ah oui, non. Non, en fait, non. C'est pas parce que c'est petit que c'est plus simple. Faut que j'arrête de lire. Donc déjà, la 2. La 2, on a vu, elle est très simple. 5, elle est chiante. 6... En vrai, la 6, ça passe. Hein. Le suicide, tranquille. Non, mais c'est pas grave. C'est, on va le faire. Donc la 5, on a vu que c'est un enfer. La 6, ça passe à peu près, mais c'est un peu chiant. Bon, vas-y, on va prendre la 7. Hein. Je persiste, hein, mais je l'aurai. Hein. Je vous le dis, la 7, ça va passer. Ils se mettent à sauter, les connards. Ok. Ah, mais par contre, du coup, j'ai pas de champignons. Je l'aime pas beaucoup, ce mob. Je sais jamais quand est-ce qu'il va sauter. Ah ! Ok. Censé faire. Oh putain, d'accord. Oh putain, je suis trop con. Ok. Phase 1, c'est fait. C'était sûr. En tout cas, la 7, on a vu qu'au final, ça passe. Donc 2 et 7, c'est faisable. Faut juste que... Ouais, mais non. Parce que j'ai pas de champignons, en fait, dans le... Et si on essaye la 3? Parce qu'il me faut un champignon. Oh, l'enfer. Il me faut un champignon, en fait. Si j'ai un champignon, ça va. Bienvenue au labyrinthe. Bah oui, mais est-ce qu'il y a un champignon dans ton labyrinthe? C'est ça, moi, la question que je me pose. Touk, 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 touk. Mais il est nul, ce labyrinthe. Ce qu'il y a, c'est que si je veux être tranquille, il faut que je prenne la 6. Pour avoir au moins une vie face à Bowser. J'ai pas le choix. Il va pas jusqu'au bout, ce truc-là, normalement. Non, c'est abusé. C'est bon. En soi, elle est pas spécialement compliquée, celle-ci. Apparemment, je peux spawn... Ok, j'ai trouvé un safe spot.
C'était sûr. C'était sûr. Ok. Déjà tout à l'heure je crois qu'il n'y avait pas de flamme ici sur les coins. Donc il y a peut-être un safe spot à choper pour la deuxième phase. Bon, de toute façon là il descend pas donc je crains rien. Faut juste que je récupère ces merdes là. Et puis que je lui balance. Oh mais non! Pas de pique sur la tête, c'est leurs oreilles. Je me méfie. Écoute, je suis arrivé à un stade. Ok, on en a un. Raté. On va y arriver. Bonne nuit, Lily. De toute façon, je quitte pas le stream tant que j'ai pas fini ce jeu. C'est le dernier niveau, je vais pas... Après, est-ce que ce serait pas plus simple d'aller chercher un champignon dans un autre niveau? De me faire des réserves? Et de revenir plus tard? Bah du coup, demain, Lily, pour Ace Attorney. Demain, c'est Ace Attorney. La suite. On va enfin savoir si Gustavo Lonté a vraiment fait quelque chose. Et j'ai give up, totalement. Totalement, ça m'a saoulé. Bon, attends, je vais aller chercher, faire le plein de... Est-ce qu'il y a un champignon dès le début de ce niveau-là ou pas? Oui. Voilà, on va faire ça. On va se choper quelques champignons. Bien aussi. Ça fera l'affaire. Ah mais du coup comme j'ai pris un autre niveau, je vais devoir recommencer depuis le début je crois. Ah mais de toute façon il n'y avait pas de place safe. Voilà, comme ça on peut se permettre de prendre un dégât ou deux, c'est pas grave. Il n'y a pas de checkpoint dans le dernier château. Ah. On est d'accord que du coup, quand tu recommences un niveau, normalement, tu recommences depuis le début. Si tu fais un autre niveau. Non plus ? Bah tu vois, je pensais. Pourquoi il a pas marché là? Marche pas la cape sur lui? Ça se baisse niveau ou éteint la console? Ah mais oui, je suis con en plus, je devrais le savoir vu que sur le niveau où je récupérais mes vies au début, on était à chaque fois au même endroit, je devrais le savoir. Allez là!
seul ennemi où le cap ne sert à rien. D'accord. Déjà, ça fait pas de dégâts. Oh putain! J'ai eu chaud au cul! Pas chiant. Il fait quoi là? C'est quoi la phase? Ah. Oh, à tous les coups, il faut que je spin et que... Ah non, peut-être pas. Oh, c'est dégueulasse. Ouais, non, de toute façon, je peux pas sauter jusqu'à lui. Je peux pas sauter jusqu'à lui, donc ça craint rien. Mais il m'emmerde. Ah, ça y est. Encore une fois, je pense, non? Oui. Hein? Putain. J'étais presque. Passé loin là, hein. C'est pas passé loin. Pour les flammes. Non, mais je pense qu'il commence toujours de la droite vers la gauche. Donc il suffit juste que je me mette à droite. Au début. À gauche plutôt. Il y a plus simple. Non, mais du coup, je vais faire comme ça pour l'instant. Je vais essayer comme ça, et si vraiment je vois que ça ne passe pas... À la limite, je te demanderai un truc, mais on va essayer de le passer classique, là. J'ai merdé là. Putain, mais c'est pas possible. Je les enchaîne, hein. Regardez s'il y avait un bloc caché des fois.
La première phase, c'est pas la plus dure en soi. Juste que je fasse attention de pas me les prendre dans la gueule au moment où... Ok. D'accord. Malin le mec. Putain. Mais putain, jette-le en l'air, espèce de débile. Ok, d'accord. Brossé là. Oh putain, je l'aurais eu une troisième fois. Vas-y, on va rester à gauche pour voir si ça marche, ce que je voulais faire. Mais du coup, oui, je prends un dégât si je fais ça, je suis trop débile. Eh, jette-moi tes merdes, là. Ok. J'imagine qu'il faut le toucher encore deux fois. C'était sûr. Oh mais cet enfer. Bon déjà c'est beaucoup plus simple à gérer quand j'ai des champignons. Donc, hop. On en prend un deuxième. Ah, je me suis tellement vu prendre un coup. Ok. Donc allez, niveau 2, into niveau 7, qui sont ceux que je gère le mieux. En même temps, le 2, c'est un petit peu une promenade de santé. Hein. Pas le plus compliqué du monde. Hein. C'est bon. Non mais c'était sûr. Allez vas-y, nique ta mère. Voilà, allez bisous. Bisous, je m'envole. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Déjà on sait que Peach elle nous donne un champignon si on gère bien la phase. Par contre je pensais pas mettre tout un stream à finir le jeu quand même. Ça, c'était fun. Non ? Oh putain, fais chier. Oh, mais quel débile. Quel enfer. Quel enfer.
Bon. Allez. On y croit. En même temps, il fallait bien que ça arrive. En vrai. Ça va tomber sur la neige, j'ai eu de la chatte. Oui, c'est vrai que... Mais non, mais... Là, c'est trop. Là, ça se voit que je suis plus dedans, là. Ça se voit que ça y est, c'est fini. Allez. Déjà le 2. Le 2, normalement, je suis pas censé prendre de dégâts. Je suis même pas obligé de tuer des coupants en vrai. Il suffit que je fasse ça, puis voilà. Ensuite, le 7. Le 7. Heureusement que la première ne crache pas de boule de feu. Vas-y, Nick. Peut-être une overdose de la route génocide sur Undertale. Comment ça ? Je sais pas, je l'ai jamais fait Undertale. Ça m'a jamais attiré. Ça m'a jamais attiré. Fait de vouloir buter les coupas quand c'est pas nécessaire. Je suis bien obligé de sauter au-dessus. Allez, viens te battre. Il me reste plus qu'une vie de toute façon, donc c'est celle-là. T'as pas le choix. Ok, ça c'était un sacré coup de chat. Ok. Bon à savoir. Hop là. Je m'en doutais. Ça s'était trop bien passé depuis tout à l'heure. Pour que je prenne pas un dégât. J'ai pas fait ça.
Putain. Il a eu son bisou. L'aventure de Mario est enfin terminée. À 2h30 minutes, 4 secondes de stream tout pile. La princesse et Yoshi et ses amis peuvent se reposer. Oh oui. Oh pouf. Oh pouf. C'est presque décevant. Un feu d'artifice nul. Oh, un petit cœur. Il est fatigué un peu, hein. Sa technique était tout simple, spin jump. Sérieux ? Oh putain ! Eh ben écoutez, chers amis, bilan, ce jeu reste une masterclass en vrai. Hein. Ce jeu reste très très bon. Même si, en vrai, sans... je pense que sans être en stream, juste en jouant au jeu tranquille et en étant juste concentré, je l'aurais réussi beaucoup plus facilement. Parce qu'il y a des moments, j'avoue que il y a des trucs, bon, c'était un peu abusé ce que je prenais. Sérieux, tu peux spin jump les flammes. Les flammes qui crachent les statues également. Ah ouais ? Patin sous les pieds, c'est pas top. Ouais, bon. 100% ouais. Non, non, non. Comme j'ai dit, le 100%... le 100% ne m'intéresse pas. Je voulais juste le faire vite fait comme ça en let's play. Parce que du coup, si on fait... si on fait le 100%... Forcément, ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de niveaux très très complexes. Il y a beaucoup de niveaux très très complexes. Je sais que je vais péter un câble inutilement. Je sais que je vais péter un câble inutilement. Donc bon, ça sert à rien quoi. Thank you. Mais normalement, t'es pas censé pouvoir avoir des Yoshi de différentes couleurs, au fait ? Ou c'est pas dans celui-là ? Dans le Star World, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. Oh. Bah, je suis bien content que ce soit fini. Je suis bien content que ce soit fini, parce que j'avais peur de pas le finir ce soir et de déborder sur un autre mercredi. Le bleu est overpowered. Je sais plus ce qu'ils font. C'est pas le bleu ou le violet qui arrive à faire des séismes. Je sais plus c'est lequel. Je crois qu'il y en a un, il y a un bail comme ça. Tu peux faire des séismes avec. C'est le jaune. Ou alors c'est le bleu ou le violet qui vole. Ah, c'est... Je sais plus du coup. Je sais plus du coup lequel fait quoi. Carapace jaune dans la bouche de n'importe quel Yoshi. Ah ouais ? Bleu égale val, ouais, c'est ça. Et du coup, il n'y a pas un violet normalement ? Je confonds avec le bleu. Le bleu tire peut-être un peu sur le violet. D'où. D'où mon erreur. Que du coup, t'as vert, t'as rouge. Le rouge, il me semble que c'est... c'est les flammes. De mémoire. Parce que du coup, ça date d'il y a très longtemps. Ça date. Ouais, c'est ça, vert, rouge, jaune, bleu. Ah, c'est ça, rouge égale flamme. C'est sympa, je trouve qu'ils aient mis le nom des ennemis à la fin du jeu. Reznor. Une carapace rouge. Ouais, mais le rouge, du coup, il peut tirer des flammes tout le temps, au final. Les Mecha Koopa. Hey, t'as le nom des boss et tout.
Ah non, pour le coup, le jeu est vraiment bon. Hein. Le jeu est vraiment, il est cool. Hein. The End. Le jeu est très très cool. Pas très pratique quand tu veux garder la carapace intacte. Ça y est ? Et ça reste comme ça ? Il n'y a pas retour à l'écran titre ? Je crois que ça reste comme ça. Hein. C'est fini. Eh bien écoutez, chers amis, on va se quitter ici. On va se quitter ici. Et on fera la roue mercredi prochain, du coup. Hein. On fera la roue mercredi prochain. Mais au moins, ça, c'est un jeu fini.